Vu à vol d'oiseau, le quartier d'Alger qu'on appelle la Casbah, profond comme une forêt, grouillant comme une fourmilière, est un vaste escalier dont chaque terrasse est une marche et qui descend vers la mer. Entre ces marches, des ruelles tortueuses et sombres, des ruelles en forme de guet-apens, des ruelles qui se croisent, se chevauchent, s'enlacent, se désenlacent dans un fouillis de labyrinthe. Les unes étroites comme des couloirs, les autres voûtées comme des caves. De tous côtés, dans tous les sens, des escaliers, des montées abruptes comme des échelles, des descentes vers des gouffres sombres et plans, des porches suintants, envahis de vermine et d'humidité, des cafés obscurs, bondés à toute heure, des rues désertes qui habitent le silence, des rues aux noms étranges. Ils sont 40 000 là où ils ne devraient être que 10 000. 40 000 venus de partout, ceux d'avant la conquête, ceux du passé barbaresque, et leurs descendants honnêtes, traditionnalistes, et pour nous, mystérieux. Les Kabyles, les Chinois, les Gitanes, les Aémathlos, les Slaves, les Maltais, les Nègres, les Siciliens, les Espagnols, et des filles de tous les pays, de tous les formats, des grandes, des grosses, des petites, des sans âge, les sans forme, l'abîme de graisse où nul n'ose se risquer. Les maisons, qui comportent des cours intérieures, isolées comme des cellules sans plafond et sonores comme des puits, communiquent presque toutes entre elles par des terrasses qui les dominent. Ces terrasses sont le domaine exclusif des femmes indigènes, mais l'Européen y est cependant toléré. Elles forment une ville à part, et de marche en marche, descendent ainsi jusqu'à la mer. Colorées, vivantes, multiples, hurlantes, il n'y a pas une Casbah, il y en a 100. Il y en a 1000.